Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Pour cette opération, munis-toi du filtre à gasoil que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Retire le cache moteur. Tu pourras ainsi visualiser le filtre à gasoil qui se situe au centre du compartiment moteur. Retire la connectique électrique en soulevant l'ergoplastique de maintien puis en tirant sur la prise pour l'extraire. Retire les conduits d'alimentation du filtre à gasoil. Pour ce faire, appuie avec un tournevis ou une pince sur la partie colorée de chaque embout de durite, puis tire dessus pour l'extraire. Réitère l'opération sur l'autre durite. Dévisse le couvercle du flasque de filtre à gasoil en le tournant dans le sens antihoraire. Munis-toi d'un bidon de récupération de gasoil afin de récupérer le gasoil qui coulera du filtre. On te propose même d'en fabriquer un. En visionnant notre vidéo, fabriquez un bidon de récupération de liquide. Place le flasque et le filtre dans le bidon. Tu dois maintenant vidanger le filtre. À l'aide d'une seringue ou d'un outil d'aspiration, retire le gasoil afin de pouvoir nettoyer complètement le flasque avec de l'essuie-tout. Salut! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Désolidarise la cartouche filtrante du flasque en faisant levier avec un tournevis plat. Nettoie le couvercle avec du nettoyant frein et un chiffon. Munis-toi du nouveau filtre. Clipse le nouveau filtre dans le couvercle. Munis-toi du nouveau joint. Retire le joint torique du boîtier à filtre. Mets en place le joint sur le boîtier à filtre. Puis repose l'ensemble dans le boîtier à filtre. Et enfin, revisse la bague de serrage et bloque-la à la main. Repose la connectique électrique. Reclipse toutes les durites du filtre à gasoil. Avant de démarrer ton véhicule, pompe sur la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Repose le cache moteur. Opération terminée. Soutiens-nous s'il te plaît. Like la vidéo et abonne-toi. Ça serait vraiment cool.